Ami Pinka bien, salut à tous. Donc, comme certains ont des petits soucis avec le potentiomètre et la configuration de celui-ci, donc je vais vous faire une petite vidéo vite fait. Donc voilà, ici, tac, quand c'est votre premier lancement, vous allez dans Settings. Voilà. Hop, on va descendre jusqu'à Plunger Sensor Setup. Donc ici, moi, c'est déjà potentiomètre, mais vous, si c'est la première fois, vous aurez un des deux, hein, je ne sais plus lequel. Voilà. Donc, ceci fait, voilà, vous faites programme. Oui. Voilà. Donc, la carte redémarre. Vous revenez sur la page d'accueil. Et vous choisissez Plunger. Voilà. Donc ici, vous faites Calibrate. Voilà. Donc vous avez 15 secondes pour calibrer. Donc en fait, ce qu'il faut faire, voilà, vous le tirez doucement. Vous revenez et vous allez un petit peu plus loin. Vous poussez votre sur le ressort, en fait. Voilà. Alors je sais pas, j'ai peut-être pas été assez vite moi pour le coup, je sais pas si ça marchera. Mais donc c'est important de pousser un petit peu sur le ressort, sinon ça fonctionnera pas dans VP. Donc bah voilà, hein, là vous avez vu que moi ça marche à l'envers, c'est juste parce que j'ai inversé deux fils. En fait, il suffirait que j'inverse le plus et le moins et ça reviendra à l'endroit. Mais enfin bon, dans VP on peut modifier ça, donc c'est pas un souci. Donc voilà, j'espère que bah, qu'avec ça sera plus facile.